Jour J, demain, c'est fini les mariages. Là, on passe au stade supérieur, ma fille. Allez, papa, à demain. Je peux pas t'accompagner demain. Moi, j'y vais pas sans toi, papa. Dernier jour. J'aimerais bien que t'accompagnes ta sœur demain à son rendez-vous. Ok. Ah, merci, ma fille. Évidemment que non. On habite dans la même ville, ça fait au moins un an qu'on s'est pas vu. Quand on déjeune une heure, toutes les deux, on a rien à se dire. Et là, tu nous demandes de faire 4 heures de route ensemble. C'est le dernier tour des auditions pour les choristes francophones de Céline. Oh, me dis pas que tu dis Céline pour Céline Dion. Je vais pas dire Pascal, elle s'appelle Céline. C'est fou, c'est n'importe quoi. En plus, on nous a dit, il y a des embouteillages sur la rocade. Vous êtes tous arrivés, en fait. C'est vous qui avez créé l'embouteillage, en fait. C'est fou. En fait, ça, on vous dit tous, ça fait 3 semaines. On sillonne la France pour présenter le film. On finit cette tournée en France aujourd'hui. Voilà. Donc on finit en Bretagne. Bonjour ma fille. Ça va ? Salut. Ça fait plaisir, hein ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. On va pas être très original, mais vous n'imaginez pas à quel point ça nous émeut de voir des salles aussi remplies. Le film sort dans 2 semaines. Et alors, on est forcément un peu stressé. Et de vous avoir vu là pendant 3 semaines et de voir encore aujourd'hui, vous savez pas comme ça nous rend pleine et comment ça nous fait du bien. On sait que de venir au cinéma, c'est de l'organisation, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est plein de trucs chiants. Et du coup, on veut vous remercier du fond du cœur. Ouais, merci, vraiment merci. Nai, 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 nai. Hey! C'est des impulsions. Hey! Ouh, t'es fatigué. On a 4 heures de route, on va pas se parler pendant 4 heures. Si? Et j'ai vérifié et Géraldine, tu l'as rencontrée notamment. Alors, ça s'est passé, pendant la Fashion Week à Paris il y a quelques mois. Et c'était une catastrophe. J'ai attendu ce moment, vraiment, bon, je peux le dire, hein, toute ma vie, parce que je l'aime depuis très très longtemps. Et donc j'ai appelé Leïla directement après pour lui dire que j'avais vu, et elle m'a dit « Alors, qu'est-ce que tu lui as dit ?» Mais j'ai rien dit. Je n'ai rien pu dire, en fait. C'était horrible. Je sais pas, je suis arrivée face à elle. Enfin, je vais vous le faire. Moi, je fais Céline. Ouais. Mais vraiment, je vous jure qu'on n'en rajoute pas, ça s'est réellement passé comme ça. Donc elles sont un défilé. Et donc je fais moi. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez sûrement une photo. Oui. Oui. Bon défilé. C'est bizarre de vouloir être choriste. Vouloir être derrière quelqu'un qui fait le même métier que toi, caché dans le noir, je trouve ça hyper étrange en fait. Franchement, arrête Mina, on dirait que je te dérange. Je te pose des questions, tu me réponds que par oui ou par non. C'est toi qui as le cœur fermé à triple tour. Ça pourrait être les paroles d'une chanson de Céline Dion. Applaudissements, Jean-Michel. Vous vivez dans quel monde, papa et toi? Encore papa? Quoi, papa? C'est quoi le problème avec le papa? Le problème, c'est que je veux pas être comme vous, moi. Moi, je veux pas mentir. Je veux pas à vouloir vous protéger. Il est malade. Il est malade, papa. Et nous, on est là. Il voulait pas que tu saches. Je fais quoi, moi, avec ça? Je fais quoi?
C'est mes filles, ça.